Bonjour tout le monde, c'est Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Welcome to Elk, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Mon dieu! Dis donc, mon cerveau, tu me fais quoi là? Il y a un nouveau plan aujourd'hui, pas de bière. Pas de bière, pas de rêve bizarre. J'avais déjà lu la dernière fois ce message-là. Waouh, je ne vois même pas le minuscule rayon de soleil. Enfin, c'est quand même une nouvelle journée. Tant qu'une fois à l'atelier, je pourrais peut-être enfin travailler sur le super bateau. Je me demandais ce qu'elle avait dans la main. Bonjour Frigg. Salut John. Bon, je sais que tu as super envie de faire des choses plus concrètes. Oui, je vais enfin pouvoir faire de la menuiserie. Alors aujourd'hui, je me suis dit que j'allais sortir tout ça pour que tu puisses y jeter un œil. Je voulais fabriquer des sièges confortables pour The Hermit. J'aimerais que tu m'aides si tu veux bien. Oui, bien sûr. Design, sont tellement cool. J'adorerais travailler dessus. C'est bien ce que je me disais. On va tout se mettre en place pour que tu puisses commencer. Génial. Génial. John, on a un problème. Oh non, déjà? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Anders, il va bien? C'est sa lapine, Clumben. Elle pourrait aller mieux. Elle a demandé à Martin de l'examiner. L'imbécile a dit qu'Anders qu'elle était en train de mourir. Et avec tous les drôles d'idées qu'Anders a dans la tête, je m'inquiète pour lui, oh, pour Clumben. Pour Vanders, zut alors. Il faut qu'on y aille, hein? On doit le faire. On a besoin de vous, John. D'accord. Il faut qu'on y aille. Alors je crois que c'est réglé. On y va tous maintenant. Ça me fait toujours caler. Qu'est-ce qui fait caler? Qu'est-ce que caler veut dire? Pam 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 pam. Caler, ça fait rire, c'est quoi? Oh mon dieu, cette pauvre bête n'en peut... Mais... Cette pauvre bête n'en a plus pour très longtemps. Merde, on fasse quelque chose. Plus de 12 à la tête. D'un coup, c'est incompréhensible, John. Totalement incompréhensible. Comment c'est possible que Clunben soit en train de mourir? Rien ne meurt ici. J'ai déjà fait toute la partie où on en meurt. C'est vrai, Anders, c'est vrai. C'est juste que bien, c'est... Anders... Ce qu'on essaie de dire, c'est quoi? Et dire quoi? C'est que Clemben est prête pour la deuxième au-delà. La deuxième au-delà? Une minute. Il y en a plusieurs? Eh oui, exactement. Ouais, c'est exactement ce que Frigg a dit, voilà. Ouais, ce que Frigg a dit. Ouais, c'est juste qu'il y a plein d'au-delà. Et donc, Clemben est juste prêt à passer au suivant. C'est tout, un deuxième au-delà. Ouais, ouais. Un deuxième au-delà, bien sûr, merci Frigg. Aucun problème, Ender, sérieusement. T'explique. Ça doit être là que JP est parti. Pour ça que Beth était en colère, eh bien. Ça doit être pour ça que je ne trouve pas mes parents ici. Ils doivent être dans le deuxième au-delà. Ouais, j'ai enfin compris. Eh bien, on va juste dire pour ceux que Clemben est prêt pour le deuxième au-delà. Ça, je sais, c'est ça. C'est ça, bien sûr. Et Anders. Et si tu allais chercher des jolis cailloux pour Clunburn? Tu sais, pour son voyage.
En attendant, John et Frigg et moi, on pourrait aider Clumber d'aller dans le deuxième au-delà. Regarde ça pour Clearburn? Ah oh, oui, bien sûr. Oui, t'inquiète, on va s'en occuper. Bien sûr qu'on va aider Clumber d'aller dans le deuxième au-delà. Tu peux peut-être lui dire au revoir d'abord? Au revoir, ma petite Clumber. T'as vraiment été un meilleur ami qu'un fantôme pouvait avoir. Tu vas tellement me manquer. Ben, je te reverrai dans le deuxième au-delà. Génial, pas vrai? Il y a un deuxième au-delà. Alors, je te reverrai bientôt. C'est très beau, Anders. On se retrouve dans un petit moment, d'accord? Oui, d'accord. Je vais aller trouver les plus jolis cailloux. Au revoir, Anders. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, je crois que la chose à faire, c'est de trouver un moyen d'abréger les souffrances de cette pauvre bête. Tu fais un lapin qui voit une femelle? Non? Mais qui va le faire? Parce que là, quand je le regarde, je ne sais pas si j'en serais capable. Ouais, c'est vrai. Comme si on tuait l'un des nôtres. En général, je n'ai aucun mal avec ce genre de choses. Lapine. Bye. En général, je n'ai aucun mal avec ce genre de choses, mais je sais. Pareil pour moi, on s'en est occupé pendant si longtemps. On se souvient quand on l'a trouvé et quand on l'a donné à Anders. Alors, on est vraiment une bande de lâches, en fait. Très bien. Frigg, je sais que c'est beaucoup à te demander. Je veux bien, je veux dire, je préférerais. C'est juste que tu ne le connais pas depuis aussi longtemps que nous. Ouais, bon, s'il te plaît, Frigg. Bon, d'accord. Merci mille fois, Frigg. Tu es notre héroïne, je vais le faire. Pour Anders, mais je n'ai jamais tué de lapin avant. Vous pouvez me dire comment on fait? Eh bien, je crois que lui briser la nuque est censée être la méthode la moins cruelle. La technique pour le faire est sujet à débat. Ok, j'ai peut-être une suggestion, moi aussi. Et si chacun disait son idée, comme ça tu pourrais choisir celle avec laquelle tu es le plus à l'aise. Quand j'attrape les poissons, je leur donne un bon coup sur la tête avec un bâton. Si on tape un bon endroit, elles meurent rapidement. J'ai pas beaucoup d'expérience en abattage pour une tournette. J'imagine que si on lui écrase la nuque, c'est parfait. Quand j'étais petit, on avait des poules et une d'entre elles était malade. On lui a tordu tellement fermement le cou, c'était vite fini. Et quelle méthode veux-tu? Comme que je ferais à Gwen, on lui tord le cou. Pas obligé de nous montrer ça, hein, Kefir. On fait ça à craque. Plus de lapin. Bon, c'est fait. Merci, Frigg. Je sais que ça ne doit pas être facile pour toi, mais tu nous as rendu un énorme service. Oui, merci, Frigg. Je suis juste soulagé que ça soit fini et que Clumber ne souffre plus. Bien, on va s'occuper du reste, d'accord? On irait parler à Anders, on trouvera un endroit pour l'enterrer. Tu devrais aller au bar boire quelque chose. Bobby s'occupera de toi. Ne vais pas mentir, je boirais bien quelque chose là maintenant. À chaque jour, elle dit qu'elle boira pas, bah elle boit pareil. Ouais, je te rejoins dès qu'on aurait fini d'enterrer Clanburn. Ben, on devrait l'enterrer à côté de JP. C'est une bonne idée. Je trouve aussi, mais je pense que je vais y aller maintenant. Je crois que j'ai atteint ma limite quotidienne d'interaction avec des cadavres. Je vous dis à tout à l'heure alors. Tururu. 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 Au moins ce soir, c'est de la pain. La couleur qui est, je l'aurais pas touchée, mais. Ah merde, c'est eux. Hey, Bobby n'est pas là? Je vais entendre dehors. Et à quoi tu parles déjà, ma petite fleur? Ni même pas bonjour? Enfin, Leroy. On ne parle pas comme ça aux demoiselles. J'avoue, leur couleur était bizarre. Bon, putain, mes excuses. Je pensais pas que tu étais un gentleman. N'en fais pas attention à eux. Ils sont juste mal élevés. Hé, attends. J'ai rien fait, moi. Permets, je me présente. Moi, c'est Irène. Salut.
Moi, c'est Frick. Chantez Frick, dis-moi. Tu veux boire un verre avec nous? Je te promets qu'on est différent de ce que tu penses. J'en ai vraiment pas envie. Nouveau gars à la forêt. Ben et Ingrid ne devraient pas trop tarder. J'avoue. J'allais me prendre une bière de toute façon. Génial. J'avais vraiment besoin d'une belle compagnie. D'accord. Tu es nouveau sur l'île? Et observatrice. Je suis le nouveau conducteur de ferry. J'ai vu sur le continent, mais je voulais avoir une idée plus précise de mes nouveaux itinéraires. Après, c'est toutes les nouvelles vues. Ouais, ma petite fleur, Ren est un vieux pote à moi. Il a eu une job quand le bon vieux capitaine Rouquin s'est gelé les couilles, pas vrai? C'est pas drôle, je suis désolé, il faut pardonner Leroy. Il est un peu trop brutal, mais pas moi. Je suis quelqu'un de doux. Attends, quoi? Écoutez, Ren, une jolie petite chose comme ça, on a besoin de... On l'amène à la baguette. Et hey, vont-tu? On dirait qu'il l'encercle là. C'est ça ton problème, Leroy? Tu veux toujours maltraiter la marchandise? Hé, hey, ça va pas, non? Et là, pas besoin de s'offusquer. On te faisait juste des compliments sur ton apparence. Après tout, tu es jolie. C'est clair qu'elle l'est. Hé, hey, ça suffit. Hé, hey, ma chérie, tu dois te sentir horriblement seule. Viens, on va aller à l'autre part et devenir bons amis. Hé, hey, je l'ai vu en premier, Ren. Attends ton tour. Non. Hey! T'ouvres maintenant? T'es déjà une femme? Tu peux ton tour aussi? D'accord, mais tu vas en dernier. Quoi? Non, non, je crois que. Hey, regarde-moi ça, Leroy. On dirait que ton frère essaie de faire une phrase tout seul pour une. Non, mais putain, ça suffit. Va te faire foutre, Ren. Jamais aimé ta sale gueule. Tu laisses la fille tranquille, c'est tout. Putain, toujours la même victoire. Toujours essayer de jouer le chevalier en mes couilles, hein. S'il te plaît, Leroy, laisse-la tranquille, ok? Sinon quoi? Je bouge pas d'ici. Putain, fais chier. Allez, Ren. Putain, plus ça change, moins ça change. Toujours pas capable de lever les mains sur ton frère, hein, Leroy? Et si je m'en occupe pour toi? Je ferais mieux de pas toucher à ma famille. Bien, on se casse. La bière ici, c'est de la pièce de toute façon. Maintenant, ça fait deux fois qu'on a été interrompu. Traité d'allumeuse. Elle est jamais 203, hein? On parlera de ça plus tard. T'as ma putain de parole. Oh, espèce de weird, de bizarre. Eh bien, ça a été un plaisir, mais ça a été interrompu par un vite. Je connais le chemin de la sortie. Non, je. Si. Eh ben. Moi, je m'aurais engueulé sinon. Ah, d'accord. Écoute, je suis pas doué pour ce genre de choses. Je vais y aller. Bon, bref, fais gaffe, quoi. Enfin, je m'en fous. Avec de la face, j'avoue, Chris. Et d'accord. Bon, merci. Ok, j'ai. Putain de merde. Ça va se faire foutre, ces types. J'aurais dû repartir tout de suite. Non. Pas de mal. Ça va vraiment se faire foutre. Je vais juste rentrer à la maison. Tu vas te faire foutre à la maison? Oh, bonjour. Où Fridge? Ah, mon Dieu, elle va compter son histoire. Peut-être violée, hein? J'ai enseigné pendant un moment dans un village de Groenland. C'était une expérience intéressante, mais assez solitaire. Ça ne m'ennuyait pas trop. J'appréciais d'être seul et d'aller faire des longues balades. Quand j'étais dehors, je croisais parfois un ami qui rentrait en voiture chez lui. On retournait au village ensemble en voiture, ça me donnait les rares occasions de faire de la conversation. Un jour, il m'a invité à dîner de Noël avec ses amis. Ce n'est pas comme si j'avais autre chose à faire de prévu, alors j'ai accepté, on y est allé ensemble. J'ai vite regretté ma décision. Parce que le reste des invités étaient des hommes et j'étais la seule femme. L'atmosphère était bizarre et la conversation difficile. Il n'y avait pas grand-chose à dire ou à partager. Mais plus ils buvaient, plus les hommes s'hardissaient et disaient des choses de plus en plus impolies et déplacées. Ils me regardaient intensément de manière lubrique. Je me sentais prise au piège et en danger. J'ai un poing frappé la table. Laissez-la tranquille. J'aurais affaire à moi que je suis mon ami. Les hommes se sont figés, l'air honteux. C'est comme s'il avait été libéré d'une mauvaise sortilège. J'ai heureusement pu partir.
T'as dû faire longtemps, longtemps, longtemps. Mais... Ouais, mais ça arrivait à un autre, ça aussi, hein, qu'un cadavre. Mon Dieu, cette histoire. Une minute. Oh mince, quelle journée. Je vais rentrer à la maison et dormir. Hey, c'est toute une histoire. Plus vite cette journée, plus vite cette journée sera finie, mieux ça sera. Là, on va être dans le bateau. Rêve en bateau. Youpi, Frigg est là. Salut, Freddy. Coucou, Fridge. Ah, c'est vous. On s'est rencontrés devant le bar. On avait rencontré votre histoire. Qui êtes-vous? Ma maîtresse, Frigg. Elle m'apprend à dessiner. Une maîtresse? Oui, c'est sous ta maîtresse. Enfin, Frigg. Tu peux avoir plusieurs maîtresses. Oui, je suppose que c'est possible. Mais de dessiner un nom ciel. Regarde, Frigg. Plaît? Tabarnak. Ah, c'est vraiment joli, Freddy. Tu peux jeter à l'eau. C'est un de tes dessins d'Elk? Non. D'autre part, c'est un endroit spécial. C'est pas dans ma tête. Chut, c'est aucun secret. Il n'y a que moi et Henders, et nous qui le connaissent. Bon. Ah, ça m'a l'air amusant. Est-ce que vous allez le visiter un jour? Ça serait génial, Frigg. On peut tous le visiter. Je crois que c'est réglé. Regarde, Freddy. Moi aussi, Frigg. Acte 3. Mon Dieu, la journée d'hier était quelque chose. C'est du bien de parler à Freddy dans mon frère. Et on va se secouer un peu. Je me secoue. Nos bouteilles, nos messages à bouteilles. Et comment ça devient bon? Et si j'en parlais à quelqu'un, peut-être à Ender, j'en sais rien. J'ai pas envie de passer pour une fois. Ça tuait Colben, on l'a déjà vu, l'homme gelé. Quand Anders mourut, je lui présente Mr. Beau. C'est l'histoire de tout à l'heure, on va pas te dire. Alors que j'étais aux toilettes, j'ai entendu un bruit sourd. Quand je suis sorti, Clumben était maintenant bien mort. D'autres, bien couvert de sang. Je suis resté là, la bouche ouverte. Il m'a regardé et a dit, j'ai super faim maintenant. Allez, on va à la maison. Je pourrais peut-être faire un tour au cimetière ce matin. John Ingrid avait dit qu'il enterrait Clumben à côté de JP. Je pourrais leur dire au revoir comme il faut. Je me sens encore un peu perturbé après ce. Il y a quelque chose de super doué en cette planète. On dirait que ça vient de quelque chose qui est vraiment cool. Ah ouais? De l'art abstrait, ça c'est de l'art laid. Ça doit être ça. Ce petit tome doit être celle de Clumben. C'est bien qu'il l'ait mise à côté de JP. C'est juste trop horrible. Il est passé tellement de choses. Je suis désolé de... Que vous soyez partis tous les deux. J'imagine que ça vous fait une belle jambe pour voir déprimer. Et une minute, il y a quelque chose d'écrit sur la tombe de Clumben. Mes chers amis, je vous invite à vous joindre à moi pour célébrer notre cher ami disparu, Clumben. À l'abri, aujourd'hui, dans mon humble demeure. Que la science sera servie. Bien à vous, Mr. Beau. Tiens, une fête étrange. Bon, bien placée, alors je devrais
Je suppose que je devrais aller chez Mr. Beau. Je devrais, ma petite carte. Coucou, coucou, ma petite poule. Coucou, coucou, dans les chemins. Mettez les dents. Patron Benjamin vient. Hein? Pas trop belle, je m'en viens. Mon grand. Pas je m'ennuie. Pas trop belle. Hier soir. Pas sûr. Et l'aide. Viens de cette voiture, c'est écrit. Une sur la plaque. Matriculation. Ça pourrait être un truc spécial. Spécial cas. Belle fleur, minute et sans plastique. Oh, tout le monde est là. Okay. Ah, ma chère Frig, je suis tellement content que tu sois de nôtre. Tu as trouvé ma note. Je ne pouvais pas le manquer. C'est gentil de votre part de faire une flèche au Clomben. Ah, bien sûr. C'est comme une responsabilité qui m'incombe personnellement. Et si j'arrive quoi que ce soit, nos chers amis d'Elk, je veille à ce qu'on en célèbre leur vie. La vie est courte. C'est-à-dire chaque occasion d'en faire une fête. Oh beau, mec, on n'avait pas fini de parler. Ah ouais, tu as tout à fait raison. Mes excuses, Fritz, mais je t'en prie, amuse-toi bien. Recueillons-nous tous ensemble en l'honneur de la petite lapine Cloaklin. J'ai dit Clunben. Oui, exactement, c'est ce que j'ai dit. Voilà, toi. Je comprends pas pourquoi, après tout ce temps, il faudrait faire quelque chose maintenant. On ne peut pas juste continuer à tolérer ce bâtard, tu veux dire, comme j'ai toléré le meurtre de mon mari, ou les années de peur que j'ai toléré pour moi et ma fille. Bon Dieu, Clara, c'est censé être dans le travail. Ne teste pas ma patience, j'en ai plus. Hey, c'est seulement en train de faire des spéculations, ok? Marge est en train d'en parler à Mr. Beau en ce moment même. Si on en a marge, Victor avec nous, on change tout. Viens de garder la tête froide, je crois que je... Quoi depuis... voyons. Tu crois que je fais quoi depuis tout ce temps, hein, Jenna? Eh bien, tu sais bien que je ne voulais pas dire ça. Hey les gars, tout va bien? Hey, ça fait plaisir de te voir. On était inquiet de ne pas t'avoir vu au bar hier. Mon Dieu, oui, désolé pour ça. J'ai rentré à la maison. L'épreuve de Clomben était beaucoup. Je comprends. N'en dis pas plus. Eh bien, en tout cas, c'est sympa d'être ici. C'est vrai, Clomben, pardon. C'est vrai. Oh bête, quel reposant. C'est formidable de lui rendre hommage comme ça avec cette tête, pas vrai? Oh oui, ça le fait plutôt. Vraiment. Tu veux redire ça? Bon, je vais aller faire un tour. On se reparle peut-être plus tard. Eh bien, c'était tendu. J'ai tendu. Je me demande ce qui se passe. Pose trop de questions. Toi. Ah bon Dieu, j'ai encore perdu. Eh, désolé, Martin, je ne ferai jamais ça. Je ne me ferai jamais à ce jeu. Eh bien, moi, ça m'arrange. Ah ben, on s'en fout. Et Sou, tu vas arrêter de te déprimer. Elle est juste en vacances. Mais oui, Bobby, reviendra bientôt, Sou. Vacances ne durent jamais très longtemps. Tout ce que tu sais, c'est qu'elle est pas là maintenant. Salut, qu'est-ce que vous faites? Hey, quel plaisir de voir. On fait juste une petite partie de Talk to Get. Tu veux jouer avec nous? S'il te plaît, dis oui. Je ferai tout. Changer le sujet de conversation. D'accord, allons-y. Génial, tu peux prendre ma place, Rick. Que tu débrouillerais mieux que moi. Ok, on va lui donner des cartes. Et je veux voir toutes vos mains, pas de triche. Ok, je suis pas doué, mais je vais essayer de t'aider. Chacun leur tour, les joueurs ajoutent des cartes au tas. Les cartes sont des points qui s'additionnent. Il ne faut pas dépasser 10, dans ce cas, le jeu perd une vie. La dernière debout gagne une partie, la carte des... laisse passer un plus un carte spéciale qui peuvent t'aider, mais utilise-les judicieusement. On apprend en jouant et il faut que je te rappelle de ne pas dépasser 10 avec une carte de Gelk. Ok, je peux un clic, lui il est fait. Yes! C'est moi le champion du monde.
pas dépasser 10. J'étais à mort. Mais un d'un autre, je peux pas. J'suis obligé. Oh, j'ai nos cartes. Fuck. Ah, mais à moins que c'était un moins 1, ça, merde. La carte que j'avais tantôt, c'était moins 1. Je perds. Char et jeu de cri. Oh non, crotte, la chance des débutants n'est pas pour moi. Ben non, maudite folle. Désolé, Martin. On dirait que c'est fini ma soirée, ni la tienne. Tu as bien joué pour une première fois, Fric. Mais tu joues quand t'es pro ici. T'es pas trop mal débrouillé. Eh bien, j'ai trouvé ce jeu très amusant, moi aussi. Mais merci d'être venu avec nous, Fric. Putain de chiennasse. Et vous deux, vous êtes encore en train de dessiner des parents? Non, on joue à notre nouveau jeu préféré, il s'appelle Les Au-delà. Oh, vraiment? On est en train de s'inventer à quoi ressemble l'au-delà. Super marrant, on a presque terminé, mais il faut vraiment qu'on fasse un nouveau bar, parce qu'ici, tout le monde se retrouve au bar. Alors il faut qu'il y ait un bar où tout le monde pourra se retrouver dans l'au-delà suivant. Bar où JP, Clemben et le papa de Freddy se retrouvent tous? Ouais, aussi les parents d'Enders, ah oui, Fric, tu peux nous aider? Tu sais déjà tellement de choses sur les autres de là. Oui, allez, Fric, aide-nous. Ok, je vais aller voir ce que je peux faire. Hey, c'était vraiment sympa. Freddy, tu es vraiment créatif pour trouver une idée toi-même. Freddy, allez, meilleures idées. Eh bien, je le crois. Je ne suis pas sûr que le thème soit dans les plus adaptés, cela dit, mais merci de m'avoir invité. De rien, Fric. Et je pense avoir réussi à convaincre Victor, alors tu ferais mieux de pas te fier. Très cher, je suis là, je te l'assure, je suis partant. Cela me chagrine, mais je pense que tu as raison. Dans ma précédente vie, j'étais entendu bien trop longtemps que la nature intervienne. Il est temps que j'essaie de prendre la situation en main. Je comprends pas grand chose de ton blabla, mais je pense qu'on se comprend, toi et moi. Et c'est bien. Toi, plus moi, plus lui. Hey, vous avez l'air louche dans votre coin. Ouais, c'est ça que c'est les affaires, ok? Désolé, je voulais juste fourrer ton nez là où il faut pas, hein, c'est ça? Ah, pardon. Ouais. Désolé, je tout saute. Frig, je ne fais pas attention à Marge, elle est juste enflammée par les... Quoi, tu parles de ta fête pour le lapin mort? Eh ouais, pardon, je suis effondré. Ouais, bien, désolé ma chère, nous parlerons plus tard, d'accord? Vous savez quoi? Vous pouvez tous aller vous faire mettre. Ah oui, moi aussi, ça je veux. Tous, aucun d'entre vous ne respecte mon autorité. Alors quoi? Je dois me mettre en danger maintenant? Allez tous vous faire voir. Faire mettre. Eh bien, ça s'est pas passé comme j'espérais. Et l'idiotesse fait vraiment dans le mélo, c'est une tâche.
Et Clara, ah, bien sûr que toi tu aimerais savoir, mademoiselle, je veux aider tout le monde. Je vois pas ce que tu vas pas, je vais te laisser tranquille. Non, attends, tu pourrais peut-être m'aider. Suis-moi. Clara, qu'est-ce qu'on fait dans les toilettes? Bon, baisse tes pantalons. Je sais pas pourquoi tout le monde t'aime bien. Ça veut dire qu'il t'écoute. Écoute, pour des raisons qui m'échappent, tout le monde s'est découvert un homme juste ici. Ils veulent faire quelque chose contre Leroy, et je comprends. Ce mec est une merde ambulante. Mais c'est moi le shérif. Et ça veut dire que c'est à moi qu'on demande de faire tout le boulot. Enfin, c'est ce qu'un shérif est censé faire, non? Tu as vu le titre? Une putain de meurtre, c'est un putain de meurtrier. Je crois vraiment que j'ai accepté le poste pour me taper des cas comme lui. Alors, hors de question. Pas un martyr. Tu ne peux pas demander un renfort ou de l'aide. Pas risquer ma réputation. Merde. J'ai besoin que tu leur dises d'arrêter. Pas de tes conseils. Et. Oh, et quoi maintenant? Je crois qu'on a encore un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai marre de toutes ces conneries. Viens, Freddy, on s'en va. Ça ne nous apportera rien de bon de quand. Boss. Oh, tabarnak. Putain, arrête de m'énerver. Le prochain truc, je vais péter. Ça sera beaucoup moins dur que de ces merdes de luxe. Mais putain de merde, Leroy, c'est pas. On peut pas se calmer un peu. J'oublie qui je suis. T'as les couilles de me parler comme ça? Je m'occupe de toi et. Ce que j'ai. Et tout ce que j'ai remercié. Oh putain, manque un mot, on dirait. Je dis pas que je suis pas reconnaissant, mais je crois que c'est justement ça que tu dis, comme ta garenne. Hey, c'est moi que tu regardes, garçon. Ça m'appelle pas comme ça. Oh, pourquoi pas quelque chose? Non, non, c'est pas ce que je voulais dire. Leroy, je suis juste inquiet. Comment ça va finir tout ça? Mais putain, de quoi t'as peur? Je vois tous ces clowns dans la pièce. Ils me détestent toutes. Ils ont peur de moi aussi, je sais. Toi, tu veux savoir quoi? Alors, c'est ça? Et pourquoi? Et eux aussi, ils savent. S'il y en a même un qui ferait que penser à m'énerver, il ira bouffer les pissenlits par la racine comme tous les autres d'avant qui m'ont énervé. Leroy, je vais être bientôt papa. Alors, tu ferais mieux de faire attention. M'énerve plus jamais, petit frère. Bouge, grosse bitch. Ça va? Non, ça va pas. Terriblement désolé, mes amis. En tant qu'autre, je dois insister. Le grabuge n'était pas du tout pris. Je vous en prie, servez-vous à boire. Peut-être que nous pouvons sauver la paix. Bonne idée. Quelle infamie, je ne pense pas que ma fête pourra survivre à tel niveau de stress. Et je n'ai même pas pu vous. Encore. En plus, j'en peux plus bien de cette merde. Je sais, ma chérie, je sais. Bon, du situation s'aggrave de jour en jour. Qu'est-ce qu'on va faire, Jen? J'en sais pas. Hey, salut, Cranky, comment ça va? Je comprends pas pourquoi ils se mettent tellement en colère. Peut-être qu'ils n'arrivent pas à accepter qu'on soit mort. Mais on s'en fout de tout ça, Bobby. C'est pas là, alors. Quelle différence ça fait? Tout ce que je me dis, Turbo a dit. Je vais se servir et. Ce qu'on fait. Il y a de la bière, du luxe en stock ici. Oh, j'adore les trucs de luxe. Clara, Dieu merci, j'étais inquiet. Où étais-tu? J'étais aux toilettes. Ah, bon, c'est bien. Moi, tu. T'en es sauve. Je crois que la fête est finie. Je vais m'esquiver et rentrer à la maison. Bonne idée. Salut, Cranky Frankie. Ah ouais, mais stop. Pour passer une chose dégueulasse. Mais c'est le truc le plus cool du monde. Tapis-moi. Toi, puis, ceux qui sont seuls. Puis, ça va, bien tranquille, et toi? Je relaxe aussi. C'est quoi? Une espèce de paradis, mais pas paradis, là. C'est juste. C'est un jeu historique.
pense que c'était. Je vais terminer pour ce soir. Eh bien, j'imagine qu'on ne s'ennuie jamais. C'est l'heure de dormir. Bon. Il y a cette histoire-là, après ça, ça va être l'heure de dormir pour vrai. Oh non! Même Ben a des ennuis. Hey Frick. Anders, merci, tu es là. On doit aider Clemburn, on doit trouver quelque chose pour l'accrocher, écoute Frick. Anders, allez, ne m'aide pas, il faut faire vite. C'est pas grave, Clemburn va bien, quoi? Mais, elle est dans l'eau. Je sais de quoi ça a l'air. Je sais que tu veux juste l'aider, mais parfois on a le droit de laisser les choses comme elles sont. Mais, je peux l'aider. Tu n'es pas obligé de le faire, ça va Frick? Ça va? Oui Frick, tout va bien. Urk, j'en ai marre. J'en peux plus de ces rêves. J'en ai marre de faire des rêves à la David Lynch tous les nuits. J'aimerais bien lire ces histoires, mais ça commence vraiment à me rendre. Arrête d'être nerveuse, Maud. Bonjour, toi, tu es partant pour faire un peu de pêche. La pêche, j'étais censé avoir. On avait prévu d'aller à la pêche, maintenant tu le sais, et moi et toi Ingrid dessous. Oh, mais ça a l'air super, mais je dois aller à l'atelier et travailler avec Jen. Bonne. Enfin, moi, on sait très bien que ça n'arrivera pas. Je ne vais jamais faire un progrès en menuiserie. Ok, Freddy, t'inquiète pas avec elle. Elle est avec Anders. Alors tu viens, on va prendre des bateaux et Mr. Beau sur le lac. Ok. Je dirais que je n'ai pas trop le choix. D'accord, je viens. Ouf, attendez longtemps, Ingrid doit vraiment insister pour que tu viennes avec nous. Elle espère que ta bonne humeur contagieuse aura un peu d'effet sur Sue. Oh non, elle va bien. Elle va bien, t'inquiète pas. Pour elle, cette idiote est comme ça pour les... Tous les ans, quand Bobby s'en va. Parti, oui, tous les ans, elle rend visite à un membre de sa famille qui vit ailleurs. Aucune raison de sa confiance. D'accord, ok, j'espère qu'on pourra remonter le moral de Sue alors. Ah, quelques bières, elle ira bien. Allons-y. Bon, c'est tout pour le jeu. Welcome to Elk, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!